Yo tout le monde, vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bijou il est à l'école, il vient de se faire un bon petit déjeuner, une bonne bouffe, des samosas, il va bien manger à l'école là. T'as vu manger tes samosas non? Ouais. Il est quelle heure déjà? 7h36. On est tôt ou pas? Ouais. Plus que d'habitude? Ouais. Ok, on se dépêche pour y aller. Comme fais ton sac, arrête de me regarder. Mais j'ai envie de manger. Dédicace à Bijou pour son jus à la mangue, celui qui m'a donné. Avec sa chocolatine. Très bonne. J'aurais pas le temps de finir le jus. Donc je vais le laisser dans le frigo. Et à mon retour, je vais le boire. J'ai pas envie que Bijou soit en retard encore. T'es prêt, non? T'es prêt, non? Je suis prêt. Hein? Ça a attrapé. Mais je t'attends. T'es pas sur ton téléphone? Mais je t'attends. Regarde. Tu peux regarder droit. Garde la caméra droite. Mais comme ça, c'est nice. Tu regardes toujours bas comme ça. Mais comme ça. Genre... Non! Non! Garde le droit comme ça. Tu peux regarder comme ça, on voit nous déjà. Ouais. Ouais. Non! Je ne suis pas caméraman. T'es pas caméraman, tu te filmes. Et tu me filmes, c'est tout. Tu fais comme si c'est normal. C'est un bâton que tu gardes comme ça, Bijou. Bijou. Est-ce que tu peux. Regarde comme c'est noir. Est-ce que tu peux garder le bail comme... Est-ce que c'est mon fou si t'es noir? Non, mais regarde. Tu dois garder la caméra d'une certaine façon pour qu'il y ait une luminosité. Garde le droit, s'il te plaît. Garde droit. Mais comme ça, c'est nice. Oui, comme ça, c'est bon. Est-ce qu'il me déconcentre? Bijou, tu fais exprès? Tu fais exprès? Comme si c'est banasse. T'as quoi comme cours déjà? Tu peux me rappeler parce que... Français, maths, histoire. Tu peux le mettre sur toi quand tu pars parce que c'est toi qui parle. Français, maths, histoire. Ok, cool. Vous apprenez quoi en histoire? L'histoire. Mais comme quoi? Vous apprenez quoi maintenant? Les Amérindiens. Les Amérindiens? Oh, je les connais! Oui, je me rappelle, les Amérindiens. Tout. Donne-moi une nation. Une nation amérindienne. Une nation amérindienne? Ouais. Les Iroquois? Ok, fort. Les Algonquins? Okay. Ok, tu peux garder la caméra sur toi aussi parce que là, tu fais de me montrer tout le long. Mais je garde bien la caméra! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ok, get down. Mais parce que je sais pas filmer! C'est pas une affaire de sais pas filmer! Tu gardes la caméra droit sur moi, comme ça? Non, c'est ça, c'est toi! Je vais la garder moi-même alors. Donne-moi une nation Iroquois. Je viens de dire algonquin amérindien. Donne-moi une nation. Donne-moi une nation iroquoienne. Il y a trois familles. Inuit, Algonquin et Iroquoien. Donne-moi une femme, une nation iroquoienne. C'est un peu flou ta question, une nation iroquoienne. Par exemple, Iroquois. Mais je les dis, non, les Iroquois. J'ai pas envie de parler. Mais ok, donne-moi une nation. C'est toi qui parles comme ça. Huron. Oh, les Hurons. J'ai failli écraser un. Écraser un écureuil. C'est tellement dégueulasse. À chaque fois qu'on roule sur l'autoroute ou. Je tourne ici. À chaque fois qu'on roule sur l'autoroute ou un boulevard ou quoi que ce soit, on voit toujours à un moment sur le côté de la route. Comment on appelle ces animaux-là? Les gros là, qui ressemblent à des castors. C'est quoi? Ils ont un nom, mais. Bon, bref, ouais, on a. Des ragondins? Oui, c'est ça! C'est ça, je parle! On voit toujours des ragondins morts sur le bord de l'autoroute. Ça me dégoûte, frère. Mais ce que je me demande toujours comme question, c'est comment ils font pour se retrouver sur le bord de l'autoroute? Comme est-ce que quelqu'un roule, s'arrête, il les met sur le côté, après la continue à rouler? Parce qu'on les voit toujours sur le côté, on ne voit jamais sur la route. Ouais. Opposition mal. Il est 50. Il est 50. Bon, t'as le temps, non? Ouais. T'es arrivé tôt, quand même? Ok. Je vais avec toi? Hey, oh non! Oh! Reste là! Ok, je vais rentrer à la maison alors. Ok, s'il vous plaît. Que je veux dire déjà? Hey, passe une bonne journée. Tu peux même pas faire un petit check là? Wesh! Bye! Ok, bye! À ce soir! Bon, les gars, je vais le suivre. Les gars, je vais le suivre. J'ai espéré un bijou.
Les gars, je rentre dans l'école avec lui ou pas? Faut pas qu'il me voit quand même. Il va arriver à cet endroit-là où il va vouloir traverser la route. Donc là, je reste caché derrière des gens là. Ce gars-là, il me cache. Les gars, je vais rentrer dans l'école avec lui. Il est juste là. Tu m'as pas vu, bijou, tu m'as pas vu, ok? Tu veux venir? Tu veux venir avec ça, bijou? Non! Ton frère t'aime! Ton frère t'aime! Ton frère adoré t'aime! Non, non, non! Tu me fuis! Tu me fuis! Non, bijou, je peux venir avec ça, dans l'école? Je t'aime, frère! J'arrête de toucher, je te laisse! Arrête, non, mes bijoux! Fais un bijou à ton frère! Fais un bijou à ton frère! Je te fais toujours des bisous. Tu peux faire un bisou sur la joue, s'il te plaît. Je veux la directrice aussi. Hein? Directrice? Ouais, arrête, arrête. Pour faire la chose. Oh, ici? Non. Ah. Tu verras là. C'est où? C'est où? Elle est où? C'est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Oh, yo! Y'a quoi? Tu vas voir là. Tu vas me faire pas un bisou? Pourquoi tu me menaces? Hein? Arrête, tu sors de l'école en vitesse. Je sors de l'école en vitesse? Ok. Ok. Mais là, je suis discret. Ok, je reste discret, c'est ça? Mais attends. Je reste incognito, tu vas me. Juste. Ah, je reste où? Hein? Tu t'es rentré. Ok, yo, les gars, bisous, quand t'es fâché comme moi, vous. Donc, les gars, je suis venu aux toilettes parce que je me fais trop reconnaître dans l'école. Et c'est pas bon, c'est pour ça que je mets toujours ma capuche quand je marche dans l'école. Je la mets toujours comme ça pour marcher, comme ça, pour qu'on ne me connaisse pas. Dès que j'ai fait ça, les gars, les gens me reconnaissaient. Mais il faut que je sorte maintenant de l'établissement scolaire. On va se retrouver à la voiture, dehors, quand je serai dehors. Et voilà, j'espère qu'ils ne vont pas trop me reconnaître. Comme ça, à crier Yo Junior, Yo Junior, Yo Junior. Et là, maintenant, les profs vont dire hein, c'est qui Junior hein? Pourquoi vous appelez son nom? Je suis venu ici, à combien mon petit frère. Déjà, il a ragi, bijou. On va en parler tout à l'heure. Il a ragi. Et puis après ça, je suis allé voir sa directrice parce que il y a un changement à faire dans le dossier de bijoux. Là. Donc là, c'est moi qui devais le faire. Je suis allé voir la dame pour pouvoir effectuer le changement. Et elle a dit que je ne peux pas faire le changement. C'est ma mère qui doit le faire. C'est genre un parent, pas un frère. À une sœur, c'est le parent qui doit le faire. Donc, je tiens à ma mère que c'est juste elle qui peut venir faire le changement. La plupart sont en classe en plus actuellement parce qu'il est. Laisse-moi voir, il est quelle heure? Les gars, il est 8h03. Il commence à 8h. Ouais, 8h à peu près, 8h pile. Donc, la plupart actuellement sont en classe. J'espère ne pas trop me faire reconnaître. Allez, on se cache, on se cache, on se cache. Bon, les gars, je suis dehors. Il n'y a plus aucun élève autour de moi. C'est bon. Enfin, c'est moi Junior. Je n'ai pas créé de meute dans l'école. Je n'ai pas créé un groupe d'étudiants qui commence à faire un gros tas pour pouvoir dire yo Junior ou bien quoi. Tout est safe les gars. Et quand je marche avec ma capuche sur ma tête là, je vous dis que c'est réel. C'est réel et je le fais pour des raisons de sécurité pour les étudiants, ben, les élèves ainsi que moi. Les gars, je ne dis pas ça du tout pour me vanter, mais je pense que je suis comparable un peu à Michael Jackson. Si je marchais dans l'école avec mon capuchon comme ça, je sais qu'il y en aura qui auraient dit, Yo Junior. J'ai pas envie de créer une meute, tu vois. Et si je crée une meute, il y en a plein qui manquent leur cours. S'il y en a plein qui manquent leur cours, je suis dans la merde. Pour vraiment empêcher ça, les gars, marcher comme ça était vraiment la solution, tu vois, la solution de sécurité. Et même quand je marchais comme ça, avec Bijou à côté de moi, il y avait deux gars que j'ai vu tout à l'heure, ils étaient comme ça, Yo, toi, quelqu'un a dit ça. Yo, toi. Je ne sais pas si je l'avais mis en. Si je l'ai capté en caméra, mais en tout cas, quand ils ont dit yo, toi, je me suis tourné comme ça, je les ai vus. Après, j'ai dit, oh merde. Et là, j'ai continué la route avec Bijou. Donc, c'est ça. Et peut-être, j'abuse un peu en disant que je suis un peu comparable à Michael Jackson, mais on va dire, Michael Jackson, il est là. OK. Et moi, je suis là.
Donc, Bijou, je pense que quand il va rentrer ce soir, il y aura la haine. Il m'a même pas vu. Il m'a même pas vu marcher derrière lui pour rentrer dans son école. Et dès que je suis arrivé devant la porte, il s'est tourné, il m'a vu, il a dit, oh non, 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 qu'est-ce que tu fais? Non, 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 Junior, toi, tu vas voir ce soir, toi, tu vas voir ce soir. Je vais voir quoi ce soir? Déjà, il va faire quoi, frère? Tu vas faire quoi, Bijou? Il dit, je vais voir ce soir. Donc, j'ai hâte à ce soir pour voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, il est quelle heure? Il est 8h13. Waouh! En plus, quand je suis arrivé dans l'école, là, il était devant ses potes et tout. Là, ses potes étaient comme, yo, quoi ton frère là? J'ai pas entendu vraiment ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du genre, je sais pas. Donc, oh putain, il y a un élève. Oh non, je veux pas créer des mutes. Non. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Et je demande pour cette vidéo là. Oh! 2000 likes, les gars. 2000 likes et je vais dans l'école de Bijou au dîner. Au moins, je vais le surprendre avec quelque chose. Je vais pas venir dans son école au dîner pour rien. Je vais entrer dans son école et par exemple, je vais l'amener un repas. Voilà, je vais l'amener du McDo ou de la pizza. Une grosse boîte de pizza géante juste pour lui. Et je suis sûr qu'il va la partager avec ses potes là, mais c'est ça, je ferai ça. Et je pense qu'il va pas rager parce que si je vais dans l'école pour lui donner de la bouffe pour l'heure de dîner, il va dire oh, j'ai pas vraiment envie de rager parce que Bijou m'a amené du dîner, il m'a amené de la bouffe. Donc là, ce jour-là, je dirais à Bijou, ne fais aucun dîner, juste amène du jus et des collations. Le dîner, je m'en occupe. Donc là, je vais venir dans son école avec et je vais le donner. Et puis, ouais, ça sera cool ça. Un truc comme ça. Donc 2000 likes et je fais ça. 2000 likes. Si ça n'a pas les 2000 likes,